en communion avec notre Père recteur qui aime célébrer cette Eucharistie, nous prions pour vous tous et pour que lui aussi puisse retrouver la santé. Dieu, par ton nom, sauve-moi. Rends-moi justice par ta puissance. Dieu, entends ma prière. Écoute les mots que j'ai dit. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur nous attend à bras ouverts. Dans sa miséricorde, il nous inonde de ses grâces. Accueillons les grâces du Seigneur en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, le secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ses paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires.
Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous serons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement
et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseigne dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique à celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. On cherchait à l'arrêter, mais personne n'a mis la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Le livre de la sagesse mentionne les persécutions des justes, de ceux qui suivent la loi du Seigneur, de ceux qui se montrent justes devant Dieu et qui incitent les autres à faire pareillement. Le juste est persécuté, pourchassé, maltraité. Et c'est le sort de Jésus le Christ. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Non, puisque ce sont ses chefs qui vont le mettre à mort. Mais en attendant, Jésus jouit de cette liberté de proclamer cette parole de Dieu, la parole de vérité, la parole qui sauve. Il sait qu'il est attendu. Il sait qu'on lui en veut et qu'on veut l'arrêter. Alors, discrètement, secrètement, il proclame cette parole pour que les gens aient la vie. Mais, comme vous le savez et comme vous l'avez entendu, ses contemporains ne le comprennent pas. Sa personne est un mystère. On ne peut pas comprendre que c'est lui le Messie. Il est né dans une famille humaine, de Joseph et de Marie. Comment peut-il oser dire que c'est lui le Messie? Nous savons d'où il est. Mais Jésus, rien ne lui échappe. Les critiques ne lui échappent pas. Vous me connaissez, dit-il. Et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. En effet, il est difficile pour ses contemporains de l'accepter comme l'homme de la vérité, le Fils de Dieu, venu du Père pour communiquer la vérité aux hommes et les inciter à vivre dans la droiture et la vérité. Son heure n'est pas encore venue, mais l'heure viendra où le Christ souffrira sa passion et on le mettra à mort sur la croix. Frères et sœurs, la croix est la source de notre salut. C'est ce que nous professons chaque jour en signant sur nous le signe de la croix. Restons fermes dans notre foi en Jésus-Christ, car lui seul peut nous conduire vers le Père qui est la vérité et qui est la vie éternelle.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ce mystère dont la force nous purifie, Seigneur Tout-Puissant, nous achemine à nous purifier encore jusqu'à la source dont il descend par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles à ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de Georges. Souviens-toi, Seigneur, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur les malades, nous implorons ta grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, à lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons reçu du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. De Sainte Thérèse Coudert, se livrer le 26 juin 1864. Je me disposais à commencer ma méditation lorsque j'ai entendu le son de différentes cloches qui appelaient les fidèles. Dans ce moment, j'ai désiré m'unir à toutes les messes qui se disaient. J'étais dans un grand étonnement que le monde entier n'en était pas sanctifié. Voici la réponse que j'ai cru entendre. Le sacrifice est sans aucun doute suffisant par lui-même, et le sang de Jésus-Christ plus que suffisant pour la sanctification d'un million de mondes. Mais les âmes manquent de correspondance et de générosité. Or, le grand moyen d'entrer dans la voie de la perfection et de la sainteté, c'est de se livrer à notre bon Dieu. Mais qu'est-ce que se livrer? Je comprends toute l'étendue du sens de ce mot, se livrer. Mais je ne puis l'expliquer. Je sais seulement qu'il est très étendu, qu'il embrasse le présent et l'avenir. Se livrer, c'est plus que se dévouer, plus que se donner. C'est même quelque chose de plus que s'abandonner à Dieu. Se livrer, c'est enfin mourir à tout et à soi-même. Ne plus s'occuper du moi que pour le tenir toujours tourné vers Dieu. Se livrer, c'est encore ne plus se chercher en rien, ni pour le spirituel, ni pour le corporel, c'est-à-dire ne plus chercher de satisfaction propre, mais uniquement le bon plaisir divin. Il faut donc ajouter que se livrer, c'est aussi cet esprit de détachement qui ne tient à rien, ni pour les personnes, ni pour les choses, ni pour le temps, ni pour les lieux. C'est adhérer à tout, accepter tout, se soumettre à tout. Mais on va croire peut-être que cela est bien difficile à faire, qu'on se détrompe. Il n'a rien de si facile à faire et de si doux à pratiquer. Le tout consiste à faire une seule fois un acte généreux, en disant avec toute la sincérité de son âme, « Mon Dieu, je veux être tout à vous. » Et tout est dit. Se rappeler que l'on s'est livré. Je prie notre Seigneur de donner l'intelligence de ce mot
à toutes les âmes désireuses de lui plaire. Si l'on pouvait comprendre d'avance quelles sont les douceurs que l'on goûte quand l'on se met pas de réserve avec le bon Dieu, comme il se communique à l'âme qui le cherche sincèrement et qui a su se livrer. Que l'on en fasse l'expérience et l'on verra que c'est là où se trouve le bonheur que l'on cherche en vain sans cela. L'âme livrée a trouvé le paradis sur terre, puisqu'elle y jouit de cette douce paix qui fait en partie le bonheur des élus. Prions encore le Seigneur. Pour ta gloire, Seigneur, et le salut du genre humain, tu as fait de ton Christ le prêtre éternel et souverain. Accorde au peuple qui t'appartient au prix de son sang et qui célèbre son mémorial d'obtenir les richesses de vie venu de sa croix et de sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Celorum.